Télévo Fribourg met en avant nos réponses à une question smartphone sans nous donner la possibilité d'expliquer la raison. Une question qui vous a été posée par Smartvote, c'est la problématique concernant le rachat du départ d'entreprises souvent prometteuses par des investisseurs étrangers. On regarde justement ce que vous avez répondu sur Smartvote. Donc la question était, les entreprises suisses devraient-elles être mieux protégées du risque de rachat par des investisseurs étrangers en introduisant des contrôles sur les investissements? Beaucoup de personnes qui sont dans le oui, plutôt à gauche, Adèle Torrance, Adam Aran, Aïssi Mofté, Bernard Morel, etc. Plutôt des oui, Claude Béglé, vous êtes dans plutôt oui, en compagnie de Jacques Nicolet de l'UDC. Plutôt non, Olivier Français, et carrément non, François Pointet, Michael Buffa et Isabelle Chevalet. Il suffit de regarder l'étude d'Innovo sur les startups vaudoises pour constater que le financement est un point essentiel, mais aussi que le financement issu de Suisse ne représente que 22% du total. Dès lors, vouloir limiter ou surveiller le financement étranger de nos startups, ce serait surtout prendre le risque que les bonnes idées ne soient plus financées, et ce serait un frein fatal à la place de l'innovation dans notre canton et notre pays.